pouvez tous bien vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour enfin vous faire la proposition d'échange. Depuis le temps que je vous en parle, j'en ai fait les caisses et les caisses, mais j'aurais peut-être pas dû parce qu'en fait la proposition d'échange elle est quand même assez importante, certes, mais ça casse pas de pâte à un canard quoi. Enfin bref, vous verrez bien, j'espère qu'il y aura quand même des choses qui vous intéressent, hein. On sait jamais, j'ai le droit de rêver hein. Donc je vais essayer de faire vite parce que sinon la vidéo va être super longue. Bon, de toute façon, je crois que ça va être quand même super longue, les propositions d'échange. De toute façon, à chaque fois, c'est des vidéos, t'as pas le choix, c'est comme ça. Mais j'ai déjà fait la vidéo où je vous montre tous les lots dans la petite boîte qui sont là. Et là, cette vidéo-là est très longue déjà. Donc je vais essayer de pas m'attarder sur le blabla parce que sinon, ça va être une vidéo interminable. Allez, on va faire vite, hein, c'est parti. Donc on va commencer par le premier point. Qu'est-ce qu'une proposition d'échange? Il y en a qui savent peut-être pas ce que c'est. Attends, j'ai tout écrit là pour ne rien oublier, donc ouais, t'avais tout le blabla que j'ai à vous dire, donc ça va être long hein. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'ai échangé et ce que je recherche en échange. Proposition d'échange, logique. S'il y a des choses qui vous intéressent dans ce que je propose, vous allez me faire une vidéo en retour avec un bon éclairage, essayez que ce soit net, que je puisse voir quelque chose, parce que sinon c'est pas du jeu, il y en a qui m'ont beaucoup arnaqué comme ça, hein. Je dis ça, je dis rien. Donc vous allez me montrer ce que vous échangez et en même temps vous allez me dire ce qui vous intéresse dans ce que je propose. J'espère que c'est clair, j'ai du mal à m'exprimer, hein, excusez-moi. Mais après, bah, si tout le monde est ok, bah, on se fait l'échange. Cash, direct, très rapidement s'il vous plaît. Hein, parce que moi j'en ai marre d'attendre. Hein. Il y a des propositions d'échange que j'ai faites la dernière fois, que j'ai encore ici, qui n'ont jamais fait, il n'y a jamais eu l'échange. Donc du coup, les anciennes propositions d'échange, eh ben, je les ai rajoutées dans cette proposition d'échange là. Tant pis pour les gens, moi c'est bon, je veux bien être gentil, mais il y a des limites quand même. Et puis bah après, bah, si ça vous voit comme ça, bah, on se fait l'échange. Et basta. Et voilà, on n'en parle plus. Donc ensuite, bah, on va passer aux conditions. Donc je suis désolée, je peux l'ouvrir encore une fois qu'à la France, hein, puisque les frais de port, ils sont ultra chers. Rien qu'en France, c'est déjà super cher, alors si je pars à l'étranger, c'est... Non, c'est pas possible, je suis désolée, mais c'est pas possible. Faut se mettre à la place, hein, même pour vous. Hein. Les frais de port, c'est un truc de malade, donc c'est même pas la peine, ça sert à rien. Donc, après, bah, les conditions, c'est un peu comme dans les concours, hein. Il faut être majeur. Si vous êtes mineur, faut demander à vos parents. Donc là, il y en a plus d'un qui vont pas être contents, mais c'est comme ça et pas autrement. Je ne ferai plus de concessions parce qu'on m'a trop souvent marché sur les pieds, maintenant c'est terminé. Je n'enverrai pas la première. Je me suis trop souvent fait arnaquer, maintenant c'est terminé. Ça, c'est clair net. Dès que je reçois votre échange, j'envoie le vôtre direct, le jour même ou le lendemain. Ça dépend à quelle heure, comment ça se passe dans ma vie. Mais au plus tard, c'est le lendemain, ça c'est sûr. Et pareil, cette fois-ci, parce que je suis quelqu'un d'impatiente, je déteste attendre. Donc l'échange, il faut qu'il soit du tac au tac, rapidement, super rapidement. J'attends, je vous jure, j'attendrai pas. S'il y en a qui me font la vidéo, on se fait la proposition d'échange, ok, certes, et ben on se l'envoie aussitôt. Basta. Parce qu'il y en a souvent qui ouais, ils font la vidéo, ouais, je ferai ça, 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 je te propose ça, ça et ça. Et puis au final, bah, deux semaines après, j'ai toujours pas de nouvelles. C'est quoi ce délire, quoi? Non. Si tu me fais une vidéo, c'est que t'es sûre de toi. C'est clair? Et je vais être vachement méchante. Je suis super straight là, au carré. Non mais attends, mais parce que à chaque fois, je suis gentille avec vous, à chaque fois, je vous donne ça, vous prenez tout ça, je vous... Moi c'est bon, hein. Faut essayer de me comprendre aussi, s'il vous plaît. Je pense, ce n'est pas une certitude, mais les plus gros échanges seront prioritaires. Mais après, je dis ça, je dis rien, rien n'est sûr. Hein. Donc ensuite, je ferai aussi une liste en barre d'infos de tout ce que je ne possède plus. La liste va être très longue au final. Enfin, sauf si vous prenez rien. Non, tout ce que je possède plus sera en liste, en barre d'infos. Comme ça, vous verrez à peu près. La plupart des choses que j'ai faites, vous allez voir, c'est des lots. J'ai fait des gros lots parce que c'est plus facile à vous montrer, à expédier, etc., etc. Mais après, si vous êtes plusieurs à vouloir ce lot-là, on s'arrangera comme on peut, sauf si une personne veut le lot en entier. Si vous êtes plusieurs à vouloir qu'une moitié ou un ou deux trucs à l'intérieur, ça va être un peu casse-couille. Je préfère que le lot parte en entier, mais bon. Après, on s'arrangera comme on peut. Hein. Donc là, c'est pareil, je voudrais mettre un point d'honneur à ça. Je n'ai rien d'autre à échanger que ce que je vous propose là. Parce que souvent, la plupart des gens, ils me disent « Ouais, mais est-ce que tu aurais ça aussi? Et puis ça aussi? Ah, et ça aussi, est-ce que tu en aurais ?» Mais non, là, j'ai que ça à échanger et rien d'autre. Ok, donc pour ma part, après vous n'êtes pas obligé, vous faites comme vous voulez, mais j'ai pour l'habitude de toujours faire des vidéos de réception. Donc dès que je reçois votre colis, et bah, je fais une vidéo réception. Du coup voilà. Après bah, je pense que je vais faire comme d'habitude, je vais faire une vidéo réception globale avec tous les échanges de tout le monde. Parce que si je fais plusieurs vidéos, ça va être un peu casse-couille. Alors autant faire une tout d'un coup, c'est mieux. Même si c'est super long. Et j'ai prévu aussi de vous faire plein de cadeaux, donc j'ai ma proposition d'échange qui est là, mais j'ai encore un autre petit carton à côté avec plein de cadeaux rien que pour vous. Voilà, j'ai pour l'habitude de toujours faire des petits cadeaux parce que c'est toujours bien.
Bon, après, vous attendez pas grand chose non plus, hein, mais bon. C'est juste le geste qui compte, hein, comme on dit. Donc là, j'en ai fini avec les conditions. Maintenant, je vais vous dire tout ce que j'aimerais en échange. Bon, après, dans ce que je propose, enfin, dans ce que je recherche, à mon avis, je vais pas avoir la moitié parce que la plupart des choses, c'est un peu des trucs bizarres. Parce que je suis quelqu'un de bizarre. Mais bon, c'est pas grave, je demande quand même, on sait jamais, hein. Voilà. Parce que je recherche beaucoup de choses en bronze et en doré, mais je sais que beaucoup d'entre vous n'en ont pas. Mais bon, c'est pas grave, hein. Je demande quand même. Qui vivra verra. Donc c'est bon, vous êtes prêts à noter? Alors, j'aimerais des grandes griffes en bronze pour les rubans. C'est les grandes griffes, quoi, les griffes. J'essaierai de vous mettre des petites photos de temps en temps pour vous montrer à quoi ça ressemble. Ce serait mieux. Donc voilà, des grandes griffes en bronze. Ce serait super. J'aimerais aussi beaucoup des fermoirs Shenby, mais de couleur argent vieilli ou crayon tracite. Je sais pas exactement le nom de cette couleur. Parce qu'en fait, j'ai de la Shenby. Grosse quantité de Shenby, mais j'ai aucun fermoir pour aller avec parce que c'est pas de l'argent classique, c'est de l'argent gris vieilli, gris anthracite, je sais pas comment ça s'appelle cette couleur. Et j'ai mis un fermoir argenté, les fermoirs classiques en argent, et ça fait un gros contraste et ça fait vraiment pas beau. Et j'arrive pas à trouver de fermoir de cette couleur là, donc si jamais vous en avez, vous allez me sauver la vie. Je vais essayer de vous montrer aussi comment, à quoi ça ressemble, quoi, là, cette couleur là. Je crois que ça s'appelle gris anthracite, mais je suis pas sûre du tout. Et puis, bah, en attendant, bah, cette chaîne-là, bah, je peux pas m'en servir. C'est trop injuste. Donc voilà, bref, on passe à autre chose. J'aimerais bien aussi des mini strass, de préférence de couleur noire, parce que j'ai aucun strass noir. Et j'aimerais bien éviter qu'ils soient autocollants. J'aime pas les strass autocollants, c'est chiant. J'aime pas ça. Des strass classiques. Couleur noire, mais après si vous voyez les autres couleurs, moi je suis preneuse aussi, hein. Je suis pas difficile, hein. J'aimerais bien des noirs, mais s'il y a les autres couleurs, ça me va aussi, hein. Alors là, j'aimerais trop ça, mais à mon avis j'ai pas le droit de rêver. C'est des très grands, mais très grands supports camés, supports cabochons, mais des très grands, j'aimerais bien. Mais si vous avez des petits, ça me va aussi. Je suis pas difficile. J'aimerais bien des grands, mais bon, c'est pas grave. Si je vois, enfin, tout me va. Pareil, donc là je vous dis pas la couleur, mais c'est. Enfin, la couleur, le métaux, mais argent, bronze ou doré, moi tout me va aussi. Hein. J'aimerais bien aussi des petits porte-clés, les porte-clés classiques ou soit en serpent, n'importe où, ça, tout me va. Et pareil, la couleur, tout me va, bronze, doré, argent, je suis preneuse. J'aimerais bien aussi juste le petit mousqueton du porte-clés. Parce que pour faire des accroches sacs, c'est sympa. Donc là c'est pareil, bronze, argent, doré, tout me va. Tu sais, les gros mousquetons pour les porte-clés. J'aimerais bien aussi, mais je crois que j'ai le droit de rêver aussi. C'est des estampes filigranes. Des estampes, quoi. Et pareil, en argent, bronze, en doré, tout me va. C'est vrai que je préférerais en argent parce que j'en ai pas beaucoup. Même en doré parce que j'en ai zéro en doré. Je sais même pas si ça existe en doré. Je suis certainement, j'en sais rien. En bref, des estampes, mais tout me va. La taille, la forme, la couleur, tout me va. Ensuite, là, j'aimerais bien des rubans. Mais je suis un peu chiante avec les rubans parce que je les préfère seulement en satin ou en organza. Et tous de couleurs unies. J'aime pas quand il y a des motifs. Bah, je voudrais du ruban. Et j'aimerais bien, si c'était possible, particulièrement du gris ou des noirs parce que en gris, j'en ai aucun. Et en noir, j'en ai plus beaucoup. Mais après, toutes les couleurs, ça me va aussi. Hein. Je suis pas difficile. Si je peux être chiante aussi, mais là c'est pas, je crois que j'ai le droit de rêver, j'aimerais bien de la suédine, j'adore la suédine. Et là aussi je vais être casse-couille, c'est des rubans Liberty. Mais là c'est pareil, je crois que j'ai le droit de rêver aussi. Alors les rubans Liberty, je suis un peu casse-couille, je suis un peu difficile, même moi j'ai du mal à me comprendre parfois, parce que bon, les rubans Liberty, on sait tous que c'est ultra chargé en motifs. Donc il y a des motifs que j'adore et d'autres que je déteste. Donc là c'est au petit bonheur la chance, hein. Voilà. Ensuite je suis une grande fanatique des perles. J'adore les perles. Alors quand j'ai commencé, je m'en souviens, quand j'ai commencé la pâte polymère, j'utilisais que des perles craquelées en verre. J'avais que ça. Après je me suis mise aux perles nacrées. J'en ai encore toute une collection. J'adore les perles nacrées toujours. Mais à l'heure d'aujourd'hui, j'ai un très grand penchant pour les perles toupies ou les perles à facettes. J'adore ces perles là. Je les adore. Si jamais vous avez des perles à toupies ou des perles à facettes, je suis. Et pareil, au niveau des couleurs, j'aimerais bien des marrons. J'ai aucune perle marron. Et des dorés non plus. Et des noirs non plus aussi, je crois. Ouais.
Des marrons, des dorés, des noirs. J'aimerais bien. Ça serait bien. Si j'ai aucune perle toupie ou facette de cette couleur, donc ça serait super. Mais après, toutes les couleurs me vont quand même, hein. Y a pas de soucis. Hein. Et il y a d'autres perles que j'aimerais et que j'arrive pas à trouver. C'est des perles un peu dans le style galaxie, tu sais, avec plein d'effets de couleurs à l'intérieur. J'aime bien ces perles-là, mais j'en ai pas. Je crois que j'en ai qu'une. Et je les trouve très jolies ces perles-là, mais j'en ai pas. Donc si vous en avez, vous allez me sauver la vie. Ensuite, je suis passée aux breloques. Alors là, pareil, je vais être un peu casse-couille. Les breloques, je préfère quand elles sont par deux. Après, si vous en avez qu'une, ça me va aussi. Si vous en avez trois, ça me va aussi. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'utilise les breloques pour faire des boucles d'oreilles. Donc c'est mieux quand il y en a deux. Mais bon, je suis preneuse pour tout et n'importe quoi, tout me va. Donc j'aimerais bien des breloques sur tout ce qui concerne les cadenas et les clés. J'adore ça. J'en ai pas beaucoup. J'aimerais bien. J'aime bien aussi tout ce qui concerne la nature. Donc les plumes, les feuilles, les fleurs, les arbres. J'aime bien toutes ces petites breloques là. Et sur le thème marin, je me suis pas mal mise sur tout ce qui est océan, plage, sirène, enfin tous les trucs sur le thème de la mer, quoi, le marin. J'aimerais bien des ancres, des gouvernails, des trucs comme ça. Tout ce qui concerne la marine, quoi, j'aime bien. Et pareil, là, je vous ai pas dit pour les prologues, mais que toutes les couleurs me vont, hein, bronze, doré, argent. C'est pas difficile. J'aimerais aussi beaucoup, j'en ai eu dans la dernière proposition d'échange, j'en ai eu beaucoup. Mais j'en cherche toujours parce que j'en veux un grand paquet des plumes poilues. J'adore les plumes poilues. Je voudrais pouvoir me fabriquer un oreiller avec les plumes poilues. Je déconne. Hein. Non, c'est vrai que j'adore les plumes. Donc voilà, j'adore les plumes. Voilà, tout simplement. Quelle que soit leur couleur, tout me va. Moi, je recherche, mais là, c'est pareil, j'ai le droit de rêver. C'est des plumes de paon. J'arrive pas à en trouver. Mais bon. Toutes les plumes me vont. C'est pas difficile. Et pour finir, alors là, ça va peut-être en surprendre plus d'un. C'est un truc chelou, là. Pourquoi elle recherche ça, elle est débile. Je voudrais la pâte Burke. Je n'ai pas de pâte Burke. Je sais pas comment vous faites, moi j'en ai jamais. Donc je voudrais de la pâte Burke. C'est débile, hein. Je sais, mais c'est comme ça. Je sais pas comment vous faites pour avoir plein de pâte Burke, moi j'en ai jamais. Moi je suis un petit peu économe sur les bords et du coup, moi rien ne se perd, tout se garde. Donc du coup, j'utilise toujours tout. Et au final, bah, je suis en manque de pâte Burke. Voilà, j'aimerais bien en avoir. Alors après, je vais vous dire aussi ce que je ne veux surtout pas. À éviter le plus grand possible. Le maximum. À éviter, s'il vous plaît. Je déteste tout ce qui est canne. Enfin, c'est pas que je déteste, c'est que j'en ai aucune utilité, malheureusement. Même si j'adore ça, je trouve ça super mignon. Mais j'en ai aucune utilité. Voilà. J'en ai aucune utilité. Tout ce qui est canne, les bouts de canne, les tronches de canne, je m'en sers pas, donc c'est voilà. Après, tout ce qui est en rapport de près comme de loin avec la gourmandise, tu sais, les petits bâtonnets de cake pop, de sucettes, d'esquimaux, tout ce qui est papier de bonbons, les trucs comme ça, j'en ai aucune utilité, donc ça sert à rien d'en proposer, j'en veux pas. Voilà, évitez aussi tout ce qui est perles en bois, je n'aime pas les perles en bois, c'est pas joli. Alors moi, personnellement, je n'aime pas, après, je ne critique pas, hein, mais je n'aime pas les perles en bois. Et pareil, si vous pouviez éviter, parce que je suis une grande casse-couille, éviter les couleurs rose, orange et violet. C'est pas mes couleurs préférées. Mais après, s'il y en a, c'est pas grave, hein. Je vais pas vous demander de faire un tri rien que pour moi. Hein. La fille a vraiment la grosse casse-couille de service, quoi. Bah, j'aime pas trop ces couleurs-là, mais s'il y en a, c'est pas un drame, c'est pas la fin du monde. Hein. Donc voilà, dans tout ce que je recherche. Après, si vous pouvez très bien me proposer d'autres trucs, hein, des trucs que je recherche pas particulièrement, mais ça se trouve, je vais tomber sur des coups de cœur que je vais adorer, quoi. Donc vous pouvez très bien proposer d'autres choses que ce que je vous demande. Vous faites comme vous voulez après. Bon, dans ce que vous proposez, essayez quand même qu'il y a des trucs qui m'intéressent parce que sinon c'est pas du jeu quoi. Donc voilà. Enfin bref, j'en ai fini avec mon blabla qui a duré bien plus longtemps que prévu. Au secours! Les vidéos d'échange, bah, à chaque fois ça dure une éternité, mais je crois que je vais battre tous les records là. J'ai fait trop de blabla, malheur à moi. Donc après, bah, j'espère que ça va vous intéresser. N'hésitez pas à me faire des vidéos. Vous pouvez aussi très bien, s'il y en a qui sont un peu trop timides ou qui ne veulent pas, faire des vidéos en privé. Vous mettez votre vidéo sur YouTube normalement, mais au lieu de mettre en public, vous mettez en non répertorié. Il y a une petite catégorie sur la droite. Vous mettez en non répertorié, votre vidéo va charger, elle va être sur YouTube, mais personne ne la verra. Après, vous avez juste à m'envoyer le lien de votre vidéo en message privé et j'irai voir votre vidéo. Comme ça, je serai la seule, puis vous-même, enfin toi-même, à voir la vidéo. Comme ça, voilà. Donc, et puis vous pouvez très bien aussi faire sur Facebook ou Instagram ou même par mail, mais bon, je préfère les vidéos quand même, c'est un peu mieux.
enfin, vous faites comme vous voulez. Évitez aussi de faire des diaporamas, parce que c'est un peu chiant les diaporamas. Et bah voilà. Dites-moi en commentaire ou lors de votre vidéo ce que vous recherchez dans ce que je propose. Ouais, je vais y arriver. Enfin, voilà. Donc je vais vous laisser maintenant avec tout ce que je vous propose. Et puis bah, je vous reprendrai pas après, donc je vous fais des gros bisous tout de suite. Et puis bah voilà, je vous laisse avec la suite. Bisous. Donc c'est parti, je vais vous montrer tout ce que j'ai à vous proposer. Je vais essayer de faire vite quand même pour pas que ça soit trop long. Mais bon, on sait déjà que ça sera long, mais c'est pas grave. Et je vais commencer avec les moules. Donc j'en ai un petit paquet. Il y en a qui sont un peu bizarres, mais vous inquiétez pas, tout va bien. Donc je vais commencer par les bizarres justement. Alors ça, c'est un moule que j'avais fait moi-même. Un moule maison. Donc il est horrible, certes, mais il moule très bien. Alors faut pas faire attention à la tronche qu'il a, il est très bien. Donc là c'est un support camé. Alors, il ne passe pas au four et la résine ne passe pas dedans non plus. C'est juste pour mouler la fimo, quoi, la pâte polymère. Et là j'ai les petits oranges aussi, donc là c'est pareil, ça passe pas au four, la résine ne passe pas non plus à l'intérieur. Mais ça moule super bien la pâte polymère. Donc là il y a une aile d'ange. C'est hyper souple, hein, il n'y a pas de souci. Il y a une madeleine, un petit biscuit, un cupcake et un petit, un grand hibou. Alors, il a eu un petit souci, il s'est cassé, mais il continue quand même de très bien mouler. Hein. Faut juste faire attention à la soudure, quoi. Voilà pour cela. Là, j'en ai un. On voit pas forcément. Un petit biscuit, un peu imitation Oreo. C'est un moule aussi, il moule très bien. Là j'en ai un tablette de chocolat croqué, tout petit rikiki. Et là j'ai les classiques, les bleus. Donc là c'est une petite fleur que j'ai moulée. Avec les poils de chat bien évidemment, hein, tant qu'à faire. Ça c'est une étoile de mer que j'avais réalisée en pâte polymère. Et vu que je voulais faire un bracelet, il m'en fallait plusieurs. Donc j'avais moulé ma petite étoile. Et maintenant ce moule là je m'en sers plus, donc si vous le voulez... petite étoile de mer. Encore une base de cupcake, je crois que c'est la même taille que l'autre. Il y a un petit biscuit. Donc là il y a deux moules roses, un petit et un grand. Enfin un grand façon de parler, il est plus grand que l'autre quoi. Il y a le petit modèle et le grand modèle. Là il y a deux marguerites que j'ai moulées aussi. Une base de chantilly. Enfin pas une base, enfin c'est la chantilly, voilà. Et une petite breloque cupcake muffin. Et pour finir, j'ai un très gros ourson. Ça, c'est nickel pour la résine, ça. Un très gros ourson. Voilà pour les moules. Voilà. Ensuite, j'ai tout ce qui est... toutes les petites choses à mouler. Ça, vous les moulez, là. Donc, j'en ai plein, plein, plein. Hein ? Donc, j'ai plusieurs... j'en ai trois. Supports camés. Il y a juste à les mouler. Alors c'est pareil, ça paye pas de mine comme ça, mais en fait ils sont très bien. Je sais, c'est moi qui l'avais réalisé en résine, mais je déteste le résultat. J'ai mis des paillettes blanches à l'intérieur, mais en fait j'ai pas mis correctement. Donc voilà, je peux pas m'en servir, mais pour mouler il est nickel. C'est celui avec les petites fleurs. Là il y a celui-là. Et pour finir, il y a celui-là qui est un peu cracra, mais qui quand tu le moules c'est nickel aussi. Donc voilà pour les supports camés. Là j'ai pour faire la charlotte, le contour de la charlotte. Vous avez juste à mouler, puis après bah, là, je peux pas vous faire parce que c'est cuit, mais vous avez juste à lui donner la forme arrondie pour faire le tour de la charlotte. Il y a un crocodile Haribo. Et j'ai aussi le petit ourson Haribo. Les petits bonbons là. Ça c'est des roses que j'avais réalisées, donc si vous voulez les mouler, voilà, des petites roses comme ça. J'ai une base de... enfin un fond de tarte. Donc il y en a deux différents. Il y a celui qui ressemble au cupcake et celui-là qui ressemble plus à une fleur. Les bords sont plus arrondis, quoi. Ok, deux fonds de tarte. J'ai encore une base de cupcake. Enfin là, tout à l'heure c'était les moules, maintenant c'est la base de cupcake carrément. Donc là j'ai deux camés carrément. Donc celui-là, ça provient d'un moule que j'avais, que je vous ai moulé pour que vous puissiez mouler. Bon, bref. Et là, c'est un autre camé. Une petite dame. Puis là, c'est une dame, mais squelettique. Ça fait plus gothique, celui-là, quoi. Voilà.
J'ai un tout petit Oreo, un minuscule. Il y a un tout petit bonbon. Un tout petit nœud. Une toute petite fraise. Là, c'est le dos, il est plat. C'est juste comme ça, quoi. Petite fraise. J'ai une toute petite clé. Un cornet de glace. Un petit croissant avec une tablette de chocolat dessus. Et pour finir, 4 fonds de tarte en forme de cœur. Donc ils sont bizarres parce qu'ils collent. Je les ai reçus comme ça, mais moi en fait je m'en sers jamais, donc autant en faire profiter. Je sais pas pourquoi ça colle. Enfin bref, voilà, 4 fonds de tarte en forme de cœur. Ensuite, là j'ai 4 emporte-pièces. Donc il y en a un en forme de fleur, il y en a deux en forme de trèfle, un à 3 feuilles puis un à 4 feuilles. Et un coquillage. Comment ça s'appelle ? Enfin voilà, bref, un coquillage. Voilà pour les emporte-pièces. Ensuite là j'ai un masking tape ou un washi tape, je sais pas comment on dit, avec des petits champignons. Donc à mon avis il doit pas rester grand chose, mais je l'ai reçu comme ça, c'était un cadeau qu'on m'avait fait. Mais moi je m'en sers pas du tout. Donc voilà. À mon avis il doit pas rester grand chose hein, quand tu vois l'épaisseur du truc. Il est hyper fin. Et les petits champignons comme ça. J'ai aussi de la vaisselle, bon, par contre elle est en plastique, donc ça passe pas au four. Donc il y a la petite tasse et puis une espèce de bol ou une assiette à soupe. Enfin bref, voilà, ce que vous en servez comme vous voulez. Donc voilà. Ensuite je passe au papier de bonbons, enfin tous les machins, tous les trucs pour la gourmandise. Donc là j'ai un très gros sachet rempli de bonbons carambars. À mon avis ce truc là il va partir à la poubelle, ça doit plus intéresser grand monde, mais bon. Je propose quand même, on sait jamais. Mais il y en a vraiment énormément, il y a des petits, il y a des grands, il y a toutes les tailles, tous les goûts. Ouais, des bonbons de carambar. Ah, et puis je vois qu'il y en a un aussi, un Kinder... Comment ça s'appelle, celui-là? Ah, voilà, quoi. On s'en fout. J'ai aussi un popcorn déjà tout fait. Il n'y a plus qu'à le remplir. Et un... Je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, une boîte comme ça. Il y a deux comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle, voilà. On s'en fout. J'ai encore du popcorn, là. Un plus petit modèle, du Subway, du popcorn, du Coca, du Nutella, encore du Nutella, popo là. Et pour finir, 4 caissettes à cupcakes, des toutes blanches, voilà. Voilà pour les bonbons, les gâteaux, les machins, les bidules, les chouettes. Ensuite, on m'a offert ça il n'y a pas longtemps, mais mes filles n'en veulent pas du tout. C'est 2 gros sachets de Rainbow Loom. Donc ils sont blindés, ils sont tout neufs. Voilà, des Rainbow Loom. Je sais pas si ça intéresse encore du monde, mais moi, mes filles, elles en veulent pas du tout. Donc si ça intéresse quelqu'un, bah voilà. Ensuite, j'ai un petit lot d'outils comme ça. Recto verso. J'ai aussi celui-là, le classique que tout le monde connaît maintenant. J'ai un Dozing Toon, donc celui-là je l'avais en triple, mais il y en a un que j'ai déjà donné et maintenant il me reste celui-là. Donc dans les deux Dozing Toons, c'est le plus gros celui-là. Voilà. J'ai 2 bâtons de colle, un jaune et un vert. Et un Decomate tout jaune. Alors je sais pas s'il est tout neuf, on me l'a donné, mais pareil, moi je m'en sers pas malheureusement. Moi en tout cas, je m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas s'il est tout neuf ou pas. Un petit Decomate tout jaune. J'ai il y a 2 bâtons de sucette. Enfin, à mon avis, c'est plus, vu la grandeur, c'est plus des cake pop. Voilà, je vais y arriver. Et là, il y a plein de bâtons de sucette. Ensuite, je passe aux perles. J'en ai beaucoup, beaucoup. Là, j'ai des perles de rocaille. Ah, et là, il y a un mix bleu. Il y a des perles bleues. Là, il y en a des blanches, des noires là-haut. Enfin, noires, elles sont un peu bleutées, mais bon. Enfin, ça veut presque noir. Là, il y a des roses et des bleus. Et dans le fond, il y a des petites argentées. Et dans celui-là, c'est un gros mix. Il y a de tout. Il y a plusieurs tailles et puis il y a plusieurs couleurs. Donc voilà pour les perles de rocaille, mais je vais y arriver. Là j'ai des perles moustaches. J'ai un petit paquet. J'ai des perles étoiles. J'ai plein de petites étoiles. Un sachet de perles bleues. Un sachet de perles vertes. Un sachet de perles jaunes avec des petites étoiles dessus.
un sachet de perles noires, des grosses perles noires à facettes. Super sympa celle-là. Un sachet de perles en argent en forme un peu de galet, quoi. Moi, ça me faisait penser au galet sur la plage. Voilà, des petites perles argentées comme ça. Là, il y a plein de perles en verre. Il y en a qui sont craquelées et d'autres qui sont toutes simples. Il y en a beaucoup, hein. Il y a un gros sachet. Et pour finir, un très 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 gros sachet de perles. Il est rempli. Énorme, il y a plein de perles diverses. Il y a toutes les tailles, toutes les formes, toutes les couleurs, enfin il y a plein de choses. Il est énorme. Donc voilà, ça c'était pour les perles. Ensuite, tout ce qui est à base de tissu. Donc là j'ai un gros sachet rempli de rubans qui a plein de couleurs, et puis il y a plusieurs tailles différentes, je ne sais plus, parce que ce sachet là je l'avais préparé il y a très longtemps. Et du coup, je ne sais plus du tout ce qu'il y a à l'intérieur, mais bon, enfin bref, il y a plein de rubans, en tout cas, ça c'est sûr. Là, c'est pareil, j'ai un très gros sachet de nœuds. Il y en a plein de différents, ouais, il y a plein de nœuds. Mais si vous êtes plusieurs en vouloir, je diviserai le paquet en deux ou en trois, suivant le nombre de personnes que vous êtes, quoi. À moins qu'il n'y en ait que un ou deux qui vous intéressent à l'intérieur. Hein. Bref, c'est difficile quand même à voir. Enfin bref, c'est un gros sachet de nœuds. Et pour finir, un très très grand ruban rose. Il est super méga long. Il est tout rose. Voilà. Là, je passe aux choses diverses. Il y a plein aussi. Les cannes, les bouts de cannes, les tranches de cannes, hein, tout ce que je ne veux plus. Bah voilà, ils sont là. Donc là, il y a un petit sachet avec plein de cannes déjà tranchées. Et il restait des petits bouts de cannes. Et là, il y en a... Enfin, j'en ai rajouté une tout à l'heure. Donc il y en a 16. Maintenant, canne entière. Qui s'est fait la malle. J'ai un très gros sachet de micro-billets argentés. Et on dirait un coussin. Il est blindé, il est... enfin, il y en a un gros sachet. Là, c'est du sable, du faux sucre, ça dépend comment vous appelez ça maintenant. Donc, il est violet et il est brillant. Je sais pas si vous allez le voir, mais il brille celui-ci. Et j'en ai un autre en rouge. Ouais, un gros sachet. Ensuite, j'ai des paillettes. Donc là, il y en a des violettes. J'ai deux bleus différents. Alors celui-ci, il est plus foncé. Mais je crois que ça se voit pas trop à la caméra. Mais celui-là, il est beaucoup plus foncé que celui-là. Donc à chaque fois, je sais pas si vous voyez, mais une grosse quantité quand même. Il y a beaucoup de paillettes. Celui-là, bah, le tube, il est tout neuf. J'ai des petites paillettes blanches. Là, j'ai des paillettes en forme d'étoile. Alors, j'étais un peu radine. Je crois que je vais vous en remettre. Il m'en reste quand même pas mal. Je vais en remettre. Donc c'est des étoiles ou des fleurs, ça dépend comment vous voyez les choses. Et elles sont un peu grisées, elles ont différentes couleurs. Elles sont très mignonnes. Là j'ai des perles validées. Ensuite il y a des strass. Donc là il y a deux plaquettes autocollantes. Il y en a en forme de gouttes et puis des rondes normales. Et là des strass classiques. Tout en... enfin, ils sont tous argentés quoi. Voilà. J'ai des yeux qui bougent. Il y a une paire de gros yeux, une paire de moyens et plein de tout petits rikiki. Voilà, des petits yeux. Des demi-perles, toutes bleues, translucides. Un sachet de petits cœurs, des espèces de confettis ou des sequins, je sais pas comment on appelle ça. Donc il y a quatre tailles différentes de cœurs. Il y en a des petits comme ça et des plus grands. Et les cœurs, c'est pareil, il y en a des grands comme ça et des plus petits là. Il y a plein de petits cœurs pastilles, pareil, que sequins ou confettis, j'en sais rien. Donc il y en a des dorés, des argentés, des bleus et des rouges. Et pour finir, mes petites billes plates que je me sers régulièrement. Donc il y en a des blanches et des bleues. Enfin, des blanches, elles sont des transparentes et des bleues transparentes. J'avais récemment fait mon bracelet marin avec, je sais pas si vous en souvenez. Enfin bref, voilà. Des petites perles, enfin pas des perles, des billes plates. Voilà, ça passe au four, ne craignez rien, tout va bien, ça passe au four, c'est du verre. Alors, je sais plus combien j'en ai mis dedans, enfin il y en a une dizaine de chaque à chaque fois. Voilà pour cette catégorie là. Je vais passer au breloque. Donc j'avais un très 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 gros sachet de breloque. Enfin il était énorme tout ce que j'avais à proposer. Donc du coup je l'ai divisé en trois parties parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui recherchent des breloques. Donc j'ai dit je vais diviser tout ça en trois paquets, comme ça il y a trois personnes qui pourront avoir des breloques.
Donc il y a ces trois là. Donc 1, 2, 3, comme vous voulez. Et celui-là, il y a celui-là. Et il y a celui-là. Et j'ai aussi des petits connecteurs ou des chandeliers, ça dépend. Il y a un petit peu de tout. Donc celui-là, c'est un peu des chandeliers. En fait, c'est des vieilles boucles d'oreilles que j'ai récupérées, que j'ai démontées. Ça fait, tu peux faire des choses sympas avec cela. Et là, dans celui-là, c'est que des couverts. Alors, il y a beaucoup de cuillères, mais il y a aussi les fourchettes et des couteaux. Et il y a plus de cuillères qu'autre chose. Donc voilà pour les problèmes. Et je vais finir avec les après. Tous les apprêts que j'ai. J'ai un collier qui est déjà tout monté. Avec du cordon noir. Tout simple, tout classique. J'ai plusieurs barrettes. Des barrettes classiques. Il y en a 3, il y en a 6 en tout. Il y a 6 barrettes. J'ai un... Comment ça s'appelle? Une broche. Sans trou, sans rien. Une petite broche comme ça. J'ai un anneau de porte-clés aussi. Des straps. Des trombones. Des grelots. Des petits mousquetons comme ça. Il y en a 8. Des broches comme ça aussi, des toutes petites broches, donc il y en a 8 aussi dedans. Il y a des boucles d'oreilles dormeuses en bronze, et je crois qu'il y a aussi une paire d'américaines en bronze aussi. J'ai des anneaux dorés. Apparemment, je crois que j'ai mis 12 fers noirs dorés. Onze paires de puces. 20 supports à ressort, là, je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Donc là, il y a des tiges à œil, des boucles d'oreilles américaines en argent et un sachet d'anneaux mix. Il y a plein d'anneaux différents, de tailles différentes. Je crois qu'il y a même des anneaux doubles. Et pour finir, 20 supports de bagues. Voilà, les supports de bagues classiques. Voilà, il y en a 20 en tout. Et voilà pour les après, et j'ai fini, j'ai tout fini, j'ai fini le tour, ouais. Ça y est, je vous ai tout montré. J'en ai fini avec cette proposition d'échange. Elle était longue cette vidéo, j'ai pas fait exprès, j'ai fait de mon mieux.